Donc bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter le TV Service Plus. Donc après la demande de plusieurs de nos clients qui nous ont demandé de mettre des chaînes supplémentaires, de mettre des fonctions supplémentaires, puis également de mettre plus de contenu, nous avons finalement réussi à développer un service télévisé qui est beaucoup plus complet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va revenir en arrière. Bon, premièrement, ce qui est le fun avec les services qu'on a en ce moment, c'est vraiment simple, c'est que vous avez beaucoup plus de choix de chaînes. Donc vous allez voir, vous avez toutes les chaînes sont en HD. Il y a des chaînes 4K également qui ont été installées. Et la première chose qu'on va aller voir, c'est dans les chaînes de télévision françaises. Donc lorsqu'on clique sur French, par exemple, on va commencer par les chaînes québécoises. Tiens, on va diminuer le son, par exemple. Voilà. Donc, ce qui est le fun, c'est que l'ancien service télévisé, il y avait environ 25 chaînes québécoises. Là, ce qui est le fun, c'est qu'on est rendu avec 59 chaînes du Québec. Donc, comme vous allez voir, les TVA, ils sont toutes là. Donc, si vous êtes de Sherbrooke, de Québec, de Gatineau, vous êtes capable de suivre votre propre TVA. Même chose pour VTL, Radio-Canada, etc., etc. Donc, je vous laisse voir rapidement la liste des chaînes qu'on a ici. Canal Savoir, Assemblée nationale, etc. Toutes les chaînes du Québec existantes sont sur notre service télévisé. Donc Frisson, Addict TV, Cinépop, les 4 super écrans, RDS, etc., etc. Donc il y a un total de 53 chaînes québécoises, 59 chaînes québécoises, pardon, comme je vous l'ai dit tantôt. Et pour ce qui est des chaînes françaises, c'est la même chose. Toutes les chaînes françaises sont présentes. Là, on parle de centaines de chaînes de France. Les M6, les TF1, etc., etc., etc. Ce qui est le fun avec ce nouveau service, c'est qu'on est capable de revenir en arrière. Donc, on est capable de reculer 24 heures en arrière. Comme ça, si on a manqué une émission, on est capable d'aller la chercher. Donc, je vais donner un exemple. Mettons qu'on écoutait. Là, en ce moment, on va aller écouter TVA HD. Donc, on clique sur TVA HD. On met plein écran. Puis là, on fait juste cliquer sur la flèche de gauche. Et là, vous allez voir, on est capable d'aller chercher l'heure. Comme là, on est sur 24 sur 24. Vous revenez maintenant que vous avez manqué l'émission de 10h53 du matin. Ou excusez-moi, l'émission qui a joué il y a exactement 11h de ça. Là, vous voyez, ça a été écrit time shift. Puis après, ce petit truc-là va disparaître. Là, vous êtes en time shift. Donc ça, c'est ce qui a joué il y a 11h de ça. Puis on est capable de le faire jusqu'à 24h. Donc je vais vous le montrer. Puis là, vous êtes capable de voir également c'est quoi les émissions qui ont joué. Sucré salé, je ne sais pas moi, TVA Nouvelle, du talent en vente, etc., etc., etc. Pour quitter le time shift, vous revenez en arrière, vous cliquez sur OK, et là, hop, ça va revenir directement à ce qui jouait en ce moment. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est disponible seulement sur les chaînes ou sur les postes TV, parce que vous allez voir qu'il y a la petite horloge en arrière, comme VTL, etc., etc. Pour ce qui est des chaînes américaines, c'est le même principe. Toutes les chaînes américaines imaginables sont là. C'est vraiment des centaines, puis des centaines. Même chose pour les chaînes du Royaume-Uni, les beIN Sports aussi, les sports, etc. Donc pour ceux qui écoutent le soccer, ou le football, comme on dit, toutes les beIN Sports sont là en super HD. Vous allez voir, sont vraiment impeccables. beIN Sports français. Oups, ça manque, je suis dans le mauvais endroit. Voilà, vous allez dans le sport. Puis là, vous les avez ici. Voilà, sport, SFR, Kidia Life. Ouais, on s'excuse. En fait, les beIN Sports étaient en time shift. Donc, c'était pour ça. Enfin, qu'on les a remis en temps normal. Là, vous allez voir, vous avez tout ici. Les beIN Sports 1, beIN Sports 2. C'est ça. Puis la qualité d'image, elle est quand même bonne. Donc là, c'est Manchester United qui joue contre Chelsea dans la FA Cup Final en Angleterre. C'est ça, c'est le même principe pour toutes les chaînes, encore une fois. Et l'autre fonction qui est vraiment le fun, c'est le Vidéo Club. Donc les films et les séries télévisées que vous avez en demande. Maintenant, vous les avez incluses à l'intérieur du TV Service. Vous n'avez pas besoin de changer d'application pour regarder vos séries télévisées. Un exemple, on va aller voir tout de suite, maintenant, les enfants en français, séries en français par exemple. Là, vous avez les séries qui sont disponibles, vous en avez plein. Si maintenant vous voulez écouter Vikings, par exemple, Vikings saison 4, quel épisode que vous voulez écouter? Mettons l'épisode numéro 3. Puis ça démarre automatiquement, vous pouvez l'avancer, faire pause.
Alors maintenant, je te ferai souffrir. Dragon. Bon. C'est ça. Puis, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est du service que vous avez. Donc, à mon avis, c'est vraiment le meilleur service de télévision en direct qu'on a avec Internet qu'il y a sur le marché en ce moment. Il n'y a aucune compagnie qui offre un service au meilleur que ça. Et également, si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez trouver notre email ou un contact chat via notre site internet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et ça fait un plaisir. Merci.